YouTube a de plus en plus de succès. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre via YouTube et c'est génial. En tout cas, merci à vous d'être toujours au rendez-vous. Alors, je sais que certaines d'entre vous regardent en replay, mais pas de panique. Même si vous regardez en replay, vous pouvez très bien poser vos questions en commentaire ou en message privé ou par mail ou par téléphone. Hein. Vous avez toutes mes coordonnées, ah, perdues, qui sont là. Donc, n'hésitez surtout pas. Génial. Alors, comme tous les mercredis, je vais commencer par la petite séance de présentation, puisqu'il y a toujours des nouvelles et des nouveaux qui nous rejoignent. Donc, je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux, et je suis démo depuis 12 ans. Presque 12 ans. Ça sera le 19 décembre qu'on va célébrer cet anniversaire de 12 ans de carrière chez Stampin' Up. C'est pas mal, ça, hein? Bonjour Marie, bonjour Isabelle, bonjour. Ouh là là, il y a du monde, c'est chouette. Donc ce matin, j'ai envie de prendre le temps avec vous de vous présenter autour de certains produits vedettes pour moi chez Stampin' Up, de faire des jolies étiquettes faciles, rapides et aussi avec un petit peu de technique parce que sinon quand il n'y a pas de technique, je trouve que c'est un petit peu rébarbatif. Mais enfin, ce n'est que moi. Bonjour Martine! Alors, je vous propose de vous donner direction mon plan de travail. Hop là! Et vous allez voir. Alors, je vais vous montrer déjà, juste avant qu'on commence, vous prévenir que j'ai pris un petit peu de retard sur les commandes de kits. Et donc, si vous voulez participer au prochain kit mensuel avec pour réaliser cette jolie boîte sur un groupe privé, n'hésitez pas, c'est où je passe ma commande ce soir. Donc, n'hésitez surtout pas. Allez-y, si vous ne trouvez pas le questionnaire pour vous inscrire, envoyez-moi un petit message et je vous l'envoie sans problème. Donc ça, c'est bon, j'ai fait ça. Donc mes produits vedettes du jour sont le tampon Festive and Fun. J'adore ces personnages, je les trouve très jolis, très humoristiques. Et j'aime bien, vous savez, moi j'aime beaucoup rire et j'aime bien l'humour. Et donc je trouve que ce set de tampons, il est vraiment bien. Alors c'est vrai que les textes sont en anglais, mais j'ai fait comme si qu'ils n'existaient pas. Et comme ça, voilà. Je vais utiliser pour le texte, on utilisera le set de tampons Joyeux Noël et je vous montrerai une technique comment le faire en décalé d'ailleurs. On va associer, je ne pouvais pas faire autrement, bien sûr, ces découpes étiquettes pour tous les goûts qui sont vraiment parfaites pour faire des étiquettes, comme leur nom l'indique, sophistiquées et vous allez voir, on va amener du détail sur l'effet un petit peu couture sur les côtés qui est vraiment très joli, aussi bien sur cette forme comme celle-ci. Ou sur l'autre forme, c'est pareil. Et vous avez... Ah, coucou Nicole, j'ai hâte de te rencontrer, tu sais Nicole. Et je vais associer du coup les petits choses qui sont là pour amener de la couleur et de la rigidité sur le nœud. Comme ça va pas se déchirer. Voilà. Et je vous montrerai comment colorier. Alors on utilisera l'aquapainter et nos Stampin' White. Qui sont là déjà prêts. D'accord? Allez, on va aussi, puisque j'ai eu une idée en checkant un petit peu le live, on utilisera aussi les petites peintures effets laqués pour rajouter des petites choses sur nos personnages, sur notre déco. Alors, tout simplement, alors pour changer, je vais utiliser du papier très vanille. Je trouve que le papier très vanille, on ne l'utilise pas assez, on ne lui met pas, donne pas assez de valeur. Alors, on va y aller aujourd'hui. Donc, on va utiliser les découpes étiquettes pour tous les goûts. Et donc, je vais découper deux en même temps. Et donc, je vais prendre les deux plus grandes. Mais vous avez vu, vous avez quand même le choix entre différentes tailles. Et donc, vous pouvez les associer les unes aux autres. Donc, ça, c'est chouette. Donc, ça, je range. On va faire les découpes. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, on va utiliser le joli ruban à grands carreaux qui peut aussi se teinter avec les Stampin' Blend. Hein. Donc, il est très polyvalent. Allez, donc, je prends ma machine de découpe. Première chose, on va découper nos étiquettes, bien évidemment. Alors, je prends ma feuille en trait vanille. Je vais mettre les deux découpes côte à côte. Je les mets au bord pour ne pas faire gaspiller de papier, bien évidemment. Je remets ma plaque par-dessus et j'y go. Attention, on est parti.
Alors, pour une fois, vous avez vu, pour ce tuto-là, il n'y aura pas... Pour ce tuto-là, n'importe quoi, je donne la réponse avec la question. Pour ce live-là, il n'y a pas forcément de tutoriel, puisque j'ai essentiellement utilisé les produits Stampin' Up pour les mettre en avant, mais aussi pour vous montrer comme quoi c'est facile. Et de faire des étiquettes, ça ne demande pas énormément de temps. Il suffit d'avoir juste le matériel adapté et on est bon. Donc, on a nos deux étiquettes. Je mets ça de côté. Je fais attention de ne pas perdre mes dies, de les mettre de côté. Donc, on a déjà dans ce lot, on a deux formes d'étiquettes. Soit plutôt, on va dire, géométriques avec des angles plutôt, on va dire, comment je pourrais dire ? Ressoufflez-moi, je ne sais pas trop. Mais plutôt rigide et là avec des belles courbes. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. D'accord ? Maintenant, on va utiliser nos tampons Festive and Fun. Et je vais les tamponner avec de l'encre Stazen. Parce que mon souhait, c'est de faire un petit peu la technique de l'aquarelle pour donner vraiment une couleur toute douce à nos étiquettes. Alors, on y va. Je vais faire sur celle-ci, voilà. Donc je mets mon encre Stazen sur mon tampon, ce qui va nous permettre de faire la technique de l'aquarelle, puisque je vous rappelle, si jamais si vous avez oublié, que l'encre Stazen permet de colorier des choses à base d'eau. Je voulais mettre une feuille de brouillon sous mon... Faut pas en mettre partout. Je vais tricher. Ah, je vais vous donner une petite astuce, allez, qui vient à l'idée là. Je vais le mettre sur du papier noir, comme ça on verra pas. Ah, ah. Et là, je tamponne. Et voilà. Nickel. Ça, j'ai ma petite girafe avec mon sapin. Génial. Maintenant que j'ai fait ça, on va colorier. Alors, l'idéal, donc vous avez votre aquapainter, vous sortez vos Stampin' White. Et il faut une surface lisse. Et donc, pour le moment, j'utilise un de mes blocs acryliques. Mais vous verrez que d'ici quelques semaines ou quelques jours, vous aurez la possibilité d'avoir un nouvel outil chez Stampin' Up qui vous permettra de faire de jolies choses. Mais enfin, j'en dis pas plus. Je ne voudrais pas vous frustrer. On va commencer par le vert. Donc, je prends le Stampin' White. Le Stampin' White, c'est un feutre à base d'eau, hein, surtout. Hein, vous ne trompez pas. Je prends le feutre vert. Côté pinceau, et je mets de la couleur sur mon bloc acrylique. Assurez-vous d'avoir à vos côtés un petit mouchoir. On va prendre notre aquapunter, et l'aquapunter, vous savez, moi j'appuie juste pour rincer la mine, comme ça. Je vais venir chercher ma couleur, et je vais venir colorier mon sapin, ce qui va lui donner un effet plus clair. Comment je pourrais dire, plus technique de l'aquarelle, hein, tout simplement. Donc après, si vous aimez les couleurs plus foncées, je vous inviterai plus à aller vers des Stampin' Blend, des feutres à alcool, où là, il faudra que vous utilisiez de l'encre Memento. J'aime beaucoup cette technique, ça fait un effet pastel, j'aime bien. Hop là. Et vous avez vu, hein, j'ai pu utiliser du vert, hein, j'ai pas fait un sapin bleu. Hein. Donc là, on est bon. Maintenant, je vais faire les petites boules de Noël en rouge. Donc je fais pareil, je mets du rouge sur mon bloc acrylique. J'appuie là pour rincer ma mine et je viens prélever le rouge pour teinter les boules de Noël. Vous pouvez bien évidemment changer de couleur, hein, d'accord ? Je voulais aussi vous remercier, j'ai reçu plein de boîtes liées au live de la semaine dernière. Il vous a beaucoup plu ce live, j'en suis ravie. Et vous savez que j'ai fait un marché de Noël vendredi et effectivement, ces boîtes ont eu beaucoup de succès. Hop là. Hop. Je vais faire la petite étoile aussi rouge là-haut. Alors, les aquapainters, ils sont vendus par lot de 3, donc vous avez 3 grosseurs différentes, ce qui vous permet aussi de faire les détails, et ça, c'est chouette.
Maintenant, je vais faire la même chose avec le narcisse d'Élise, le jaune, puisque je vais faire ma girafe. Alors là, je veux vraiment un jaune. Du coup, je rajoute une petite goutte d'eau. Voilà. Je veux vraiment... Et faites attention, hein, la girafe, elle a un long cou, mais tout fin. Donc, de ne pas vouloir trop en mettre. Parce qu'il faut qu'on garde le blanc pour pouvoir mettre du marron pour faire ses taches. Alors, vous voyez, grâce à peu de matériel, il suffit d'avoir les découpes et quelques feutres, quelques tampons qui se marient bien avec le thème de nos étiquettes, et l'affaire est jouée. Ça vous prend pas beaucoup de temps, et en plus derrière vous pourrez mettre un petit message à qui vous allez l'offrir. C'est top. Hop là. On va finir par le marron, par les taches de notre girafe. Et par le pied de notre sapin, qui est juste là. On y va tout doucement. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Aujourd'hui, on fait des étiquettes pour mettre sur nos paquets de Noël. Et on utilise les découpes, comme vous l'avez marqué là, étiquette pour tous les goûts que vous avez dans votre catalogue annuel. Qu'il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que... Il y a le catalogue saisonnier qui s'en va, qui se termine bientôt. Donc n'hésitez pas. En plus, il y a des articles à jusqu'à moins 60%. Et il y a des nouveautés, des nouveaux produits dans le coin des bonnes affaires. Donc pour celles qui ont un petit budget, ça permet de s'équiper avec des produits de bonne qualité, mais à prix réduit. Donc ça, c'est plutôt top. Là, là c'est bon. Donc j'ai fait ma colorisation de ma girafe. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mes dies, on a aussi des petits détails. On a ces petites choses-là qui vont nous permettre, comme vous pouvez le voir ici, de consolider notre petite roue là, mais aussi lui apporter de la couleur. Donc je vais prendre en couleur Calico Coquelico, puisque c'est la couleur dont, qui est quand même dominante. J'aurais pu aussi faire vert, hein, c'est sûr. Et je vais passer à la machine de découpe. Bonjour Jennifer, bonjour à toutes celles qui arrivent, bonjour Véronique. Hop là. Je le passe ici. Je reprends mes plaques pour ma machine de découpe. Hop là. Et là j'y vais. Tout le monde va bien, ça va, ça vous plaît. Alors, les étiquettes de Noël, on peut les faire avec toutes les chutes aussi de nos papiers. Et n'hésitez pas, pour celles qui n'ont pas pu être là lundi, d'aller voir le live technique sur la technique du résist, parce que vous pourriez aussi utiliser la technique du résist pour faire de jolies étiquettes, bien évidemment. Hop, on va venir le coller comme ceci. On va mettre un petit point de colle. Alors soit vous mettez directement sur le vanille, soit vous mettez directement sur le calico coquelicot. C'est comme vous voulez, mais en mettez pas beaucoup parce que vous voyez, c'est tout petit, petit, petit. Là, on est bon. Et avant de mettre mon ruban et ma ficelle, j'ai sorti mon doigt éponge. Ça faisait longtemps que je les avais pas sortis, mes doigts éponges. Je les avais un petit peu oubliés. J'avais... plutôt mis en avant les brosses à estompe ces derniers temps, et donc j'ai ressorti mes brosses à mes doigts éponges, et on va pouvoir teinter le bord de notre étiquette pour lui donner un peu plus de relief. Regardez, ça change tout de suite, hein. On continue vers tous les bords. Voilà, je vais refermer l'encreur avant de faire des bêtises. Là, je vais prendre mon ruban
Alors, ce ruban-là, vous pouvez l'utiliser, on va dire, dans cette couleur originale. Oui, originale. Mais vous pouvez prendre votre Stampin' Blend, par exemple Calico Coquelicot, et on va pouvoir le teinter pour avoir un ruban rouge et noir. Donc ça, c'est aussi, ça peut être très pratique, puisque si vous n'avez pas la bonne couleur, on peut fabriquer la bonne couleur. Et ça, j'adore cette possibilité que nous offre le matériel Stampin' Up pour justement pouvoir faire ce genre de choses-là. Je trouve ça trop bien. Hop là, on va faire le recto aussi. Non, ça s'est teinté des deux côtés. Nickel. Un petit coup de rajout là. Super. Vous connaissiez cette technique là de teinter le ruban, les filles? Je pense, hein, certaines sont assidues à mes lives et d'ailleurs je vous en remercie. Vous devez connaître, hein, y a des fois où j'ai l'impression de me répéter, mais il y a toujours des nouvelles personnes, donc. Et je trouve que des fois, de redire les choses, ça nous permet de bien les enregistrer. Je vais mettre juste là, je vais enlever le surplus pour éviter que ça tâche. Vous voyez, hop là. C'est normal, c'est parce que non, l'idéal, c'est d'attendre un petit peu plus longtemps que ça sèche, mais ça, on est bon. On va sortir, on se prendre un petit bout de ficelle de fil de lin. Et donc, plusieurs techniques du coup et plusieurs façons. Soit on va le mettre comme ceci et on va le serrer, soit on fait un double nœud. Après c'est comme vous voulez. Là on va faire comme ceci, on va changer un petit peu. Ah bah écoute Nicole, je suis ravie, comme quoi c'est important que je me répète pour que tu puisses ou chacune puisse revoir ou apprendre de nouvelles techniques, c'est chouette. Donc ça, je vais faire un nœud classique et je vais faire une jolie rosette. Hop là, j'enlève l'excédent. Je vais pouvoir enlever un petit peu aussi de hauteur. Là, je coupe un biseau. On est plutôt pas mal et voici notre première étiquette. Avant, maintenant que j'ai presque fini, on va dire, je vais venir prendre ma petite peinture effet laqué et je vais mettre du blanc sur le pompon de mon chapeau et sur le bord de mon bonnet de Noël. Et je le fais en dernier parce que vous savez que c'est un petit peu long à sécher, donc ça évite que je mette mes mains dessus et de faire des catastrophes. Évidemment, vous avez plusieurs couleurs. Hop là. On y va tout doucement. On y va. On peut aussi. Donc là, j'ai mis pour du blanc, mais on a aussi du rouge. Et on peut imaginer. Ah ah ah! Faire les boules aussi en rouge. Soit vous les faites toutes, soit vous pouvez faire une sur deux aussi. Hein. Regardez. Et ça donne du volume à votre petite étiquette. Et ça donne son charme. J'adore. Hop là. Regardez. Alors j'essaye de ne pas mettre les mains dessus. Vous voyez, ça donne du relief. C'est joli, hein. Plus ça brille. Donc voici pour la première étiquette. Vous voyez, ça a été rapide. Je la mets de côté pour éviter de poser des choses dessus et faire des catastrophes. Et je vais vous montrer comment faire la deuxième étiquette, mais c'est surtout, je voulais vous montrer l'astuce pour le texte. Alors, on est d'accord que nous avons notre tampon, il est sur une seule ligne. Et si je veux tamponner le tampon Joyeux Noël, au niveau de la dimension, je suis juste au niveau taille. Alors, je vous propose de vous montrer une technique. Tout simplement, vous allez prendre un feutre à base d'eau, donc un Stampin' White. Attendez, il faut juste que je vérifie si je l'avais bien nettoyé. Oui, c'est bon. Et donc, je vais venir mettre de la couleur sur le mot joyeux en premier avec mon Stampin' White. On prend son temps pour bien faire attention d'avoir mis de l'encre sur
toute l'entièreté des lettres, sinon ça va pas rendre très joli. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, on va tamponner le mot joyeux. Voilà. Et pour le mot Noël, on n'oublie surtout pas de bien nettoyer notre tampon avec notre Stampin' Scrub. Donc là, on nettoie bien. Et là, cette fois-ci, on va mettre de la couleur sur le mot Noël. D'ailleurs, je vais vous montrer, du coup, je vais profiter, je vais changer de feutre et je vais prendre un feutre d'une autre couleur. Je vais prendre du vert, par exemple. Je vais prendre plutôt ce vert-là. Et donc, je vais mettre de l'encre sur le mot Noël. Et du coup, ça me permet de tamponner le texte, mais de manière différente. Donc, amener une polyvalence à nos produits. Et ça, c'est top. Et là, le mot Noël, je vais le décaler un petit peu. Et en plus, il sera en deux couleurs. Et regardez. C'est chouette, hein? Après, il ne nous reste plus qu'à faire ce petit tampon-là. Où on a le castor, on a plein de choses. Hein. Vous pouvez vous faire plaisir et prendre celui que vous avez envie. Et on va le tamponner en dessous. Voilà, parfait. Et là, on ne va pas se casser la tête pour celle-ci. On va utiliser une autre technique. N'oubliez pas que vos feutres Stampin' Wet, c'est aussi des feutres à base d'eau. Et donc, on peut les utiliser aussi pour colorier, tout simplement. Et vous aurez un rendu plus foncé. Donc là, il faut faire attention quand on colorie, parce que comme c'est des feutres à base d'eau, vous pouvez avoir facilement les traits de coloriage. Là, c'est des petites surfaces, donc c'est pas trop dérangeant, mais quand c'est des plus grandes surfaces, ça donne pas la même qualité qu'avec les Stampin' Blend, bien évidemment. Je vais lui faire son pull rouge. Je préfère quand même les Stampin' Blend. Il n'y a pas photo. Même sur le niveau de la texture, c'est quand même plus agréable. Je vais lui faire le petit col vert. Vous êtes rien sage ce matin. Vous êtes endormi. Promis, je vous donne pas mes microbes. Hein. À travers l'écran, ça marche pas. Je les garde que pour moi. Hop là. Ça, c'est bon. Je vais faire les petites feuilles de houx en vert. Là, et je vais reprendre le marron. Pour refaire mon cerf. Allez, je fais attention parce que là, c'est une plus grande surface. J'aurais dû prendre mes blends. Je préfère, j'avoue. Vous voyez, ça fait des traits là. Alors qu'avec les Stampin' Blend, ça fait pas cet effet-là. Hop là, voyez la qualité. Ça va, mais on voit les traits de coloriage. Et puis, pour finir, je vais prendre mon effet laqué blanche. Et je vais faire la petite crème du gâteau en blanc. Style un peu chatouillis, n'importe quoi, ce que je vais dire, chantilly. Chatouillis, ouh, j'ai inventé un nouveau nom. Voilà. Ça, c'est bon. Ah, j'aurais dû le faire à la fin parce que j'ai pas complètement fini. Ah, zut, crotte de bique. C'est pas grave. C'est les aléas du direct, on va dire. Et donc, je vais finir par décorer le petit trou qui est là.
Oui, c'est vrai, Isabelle, on aurait pu, ouais. Il est où mon dice? Là. Les petits ronds qui sont là. Prendre une petite chute de papier rouge. Je fais attention de ne pas écraser ce que je viens de faire. Ça, c'est bon. On y retourne ici. Je mets la plaque et je retourne la manivelle. Et moi, pour ce temps-là, je tenais la manivelle. Et vous, vous alliez vous promener? Non, bah non, vous êtes avec moi. Allez, go. Et donc, on a nos petits ronds. Et les petits ronds, on va le coller en haut. On y va délicatement. Et là, du coup, Fanny, comme tu as fait des bêtises, tu fais attention de ne pas mettre tes doigts où tu as mis la peinture 3D en bas, sinon tu vas faire des catastrophes. Hop là. Et là, cette fois-ci, je vais pas colorier le ruban, je vais l'utiliser en noir et blanc. Mais on pourrait le teinter en vert. La seule chose, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise uniquement les Stampin' Blend pour faire ce genre d'effet. Avec les feutres à base d'eau, c'est pas très joli. Et ça va même. Merci Martine. Ça va, comment dire, boire et ça va pas le faire. Hop là. Comme ça. Merci Martine. Hop là. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je dirais plutôt un hérisson depuis que j'ai mal à la gorge là. Bon, cette saison, comme vous allez me dire. Donc là, je passe la ficelle et je vais faire une jolie rosette. Ce qui va maintenir mon ruban et donner une jolie finition à mon étiquette. Donc, ce genre d'étiquette, vous pouvez l'utiliser avec vos chutes de papier. Hein, n'hésitez surtout pas de rajouter du papier design si vous le souhaitez. En fait, vraiment la base de ces étiquettes, c'est les découpes qui vont dans votre machine de découpe et qui sont vraiment au top. Voilà. Et puis, comme Fanny Scrap sans strass ne serait pas Fanny Scrap, on va rajouter des strass, bien évidemment. Et je me permets de vous rappeler que les strass, vous pouvez les colorier avec les blends. Donc là, vous voyez, j'en ai préparé, j'ai des rouges, et donc je vais pouvoir rajouter sur ma création pour lui donner encore plus de brillant. Et hop là. Voilà. Donc voici notre deuxième étiquette. Donc la première. Et la deuxième. Donc, les découpes que nous avons utilisées aujourd'hui et qui sont vraiment à l'honneur, ils sont dans votre catalogue annuel. Alors, attendez, je vais faire comme ça. J'ai peur de faire des bêtises, sinon. Et vous pouvez les retrouver à la page 164 de votre catalogue. Et c'est ici, étiquette pour tous les goûts. La référence est 155-563 au prix de 27 euros. Sachant que vous avez 10 poinçons dedans, puisque vous avez 4 tailles d'étiquettes différentes selon les formes, et vous avez les petits accessoires du milieu pour bien finir votre étiquette. D'ailleurs, je viens de penser que je n'ai pas complètement fini, puisque je n'ai pas rajouté mon petit contour avec mes doigts éponge. Alors, qui va se lancer dans sa fabrication d'étiquettes pour Noël? Qui va me montrer les siennes? Karine, Isabelle, Sylvie, allez. En plus, Sylvie, ça fait longtemps que je t'ai vue. Ça fait longtemps que j'ai pas vu tes projets. Ça me ferait trop plaisir. Hop là. Et voilà. Et j'ai associé donc les découpes avec le set de tampons.
que vous avez cette fois-ci dans votre catalogue saisonnier à la page 13, qui est la Festive and Fun, à la référence 162,078, au prix de 32€. Voilà, voilà. Alors, ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, allez. Est-ce que vous avez des questions sur le projet du jour? Ou est-ce que vous avez des envies ou un questionnement sur une différente technique que je pourrais aborder lors de mes prochains lives? Vous savez, alors ça fait depuis septembre 2017 que je fais des lives Facebook tous les mercredis. J'ai fait déjà plein de projets, d'ailleurs vous pouvez retrouver tous mes projets sur YouTube et vous verrez aussi que j'ai un petit peu vieilli et que j'ai évolué avec la technologie depuis 2017 quand même, puisque ça fait 6 ans, hein. J'ai pas attendu le Covid pour me lancer dans les lives, je crois et je dirais même, je pense et j'en suis presque sûre que j'étais une des premières démonstratrices Stampin' Up en France en tout cas, de faire des lives Facebook. Et donc vous avez toute une collection de vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas. Mais peut-être qu'il y a des choses qui moi me paraissent, on va dire, logiques maintenant, que vous auriez aimé voir ou revoir comme technique, ou un projet qui vous tient à cœur, ou quelque chose, ou une idée, n'hésitez surtout pas. Alors je vais pas vous dire que j'ai pas d'idée, hein, mais pour moi les lives c'est aussi un moment où je réponds à vos questions, où j'essaye de vous aider dans votre processus créatif, et donc c'est important d'avoir vos retours. Souvent, j'essaye de regarder ce que vous achetez sur la boutique en ligne, comme ça je sais ce que vous avez envie, aussi vous avez eu envie soit suite au live, soit ce que vous allez utiliser prochainement, et donc j'essaye de m'adapter à tout ça, mais j'ai aussi besoin de vous. Merci Christine, je te souhaite un bon mercredi aussi, une belle journée. Et oui, c'est vrai, c'est la Saint-Nicolas, j'ai pas l'habitude d'y penser. C'est vrai qu'en France, je trouve qu'on le fête pas trop la Saint-Nicolas, hein, c'est plutôt en Belgique. D'ailleurs, je fais un petit coucou à toutes celles qui me regardent de Belgique. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire quand vous venez de Belgique, ça me fait toujours plaisir de savoir d'où vous me regardez les vidéos. Oh, coucou Pascal, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je garde mes microbes, je garde mon hérisson qui est dans ma gorge. Mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ah, Isabelle, tu voudrais des cartes avec du pop-up. Ah, ah, ah. Ça peut se faire, c'est quelque chose que j'adore faire en plus. Donc, pourquoi pas pour les prochains lives. Ah, dans les Vosges, vous fêtez aussi la Saint-Nicolas. Ouais, bah, vous êtes pas loin de la Belgique, en fait, hein, plus près que nous, en Normandie. Nous, en Normandie, c'est... Voilà. Oui, Véronique, c'est ce que je lis, ouais. Ok, pas de soucis, Nicole. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, si vous avez envie de vous inscrire pour le kit numéro 33, le meuble à tiroir bleu auberge de campagne, c'est aujourd'hui, c'est la dernière limite, je n'attends plus. Voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une agréable journée. Et scrapez bien et montrez-moi vos étiquettes. Allez, ciao, ciao !